L'hippodrome de Juliange, un des plus hauts d'Europe, accueille pour une 7e fois le Raid des Pèlerins. Cette manifestation prend chaque année de l'ampleur. L'édition 2024 voit la participation de près de 500 cavaliers de 20 nationalités différentes. Ces 5 jours de course se sont déroulés sous un temps favorable et estival, du mercredi au dimanche. Le jeudi, de très très belles épreuves, donc 3 étoiles, 2 étoiles, avec des finishes époustouflants jusqu'à 27 km/h de moyenne. Donc vraiment des performances et des chevaux qui étaient tip top. Et il y avait un plateau exceptionnel, donc de jeunes et de cavaliers un petit peu plus âgés. Mais on avait donc vraiment de grandes performances et des chevaux qui étaient vraiment tout à fait donc entraînés pour ce type de course. On a eu des beaux gagnants, vous avez vu la remise des prix, très très beaux gagnants et gagnantes. Donc vendredi, hier, nous avons eu les fameuses courses CEI 2 étoiles, et vous avez vu aussi le résultat. Là, il y avait 110 partants hier, 110 partants entre la 2 étoiles et la 1 étoile. Donc vraiment, ça rassemble énormément de cavaliers. Ils sont venus dans quasiment toute la France, venus pour participer à ces épreuves. Et c'est vraiment exceptionnel de voir donc un site qui peut donc ramener autant de monde, parce que c'est vrai que tous les gens qui viennent, ils viennent par plaisir, c'est pas par obligation, par plaisir, ils ont envie de venir faire Juliange parce que c'est une course exceptionnelle. Et c'est vrai qu'on la vit chaque année, et ça monte crescendo, on se rend bien compte qu'il y aura, il y a quelque chose qui se passe dans les épreuves d'endurance, donc sportivement, et aussi donc dans l'ambiance qu'il y a sur le site, parce que c'est vrai que des sites comme ci avec des arbres ombragés, on n'a pas. Les gens peuvent se reposer, peuvent faire un tas de choses, et les performances sont vraiment là. Ils sont venus avec plusieurs chevaux pour courir plusieurs jours, et là je crois qu'on est en train de vivre quelque chose d'exceptionnel. Samedi, les régions, on a vu, donc de là aussi de belles courses, des régions qui sont venues avec bon nombre de cavaliers, je peux penser à la Bretagne, sans être chauvin, qui sont venus donc avec, je crois, 26 cavaliers, les autres régions, et même en venant en nombre, ça n'a pas forcément rapporté le résultat escompté, parce que je crois que les autres régions du sud de la France ont bien joué, très très bien joué, et sont en train donc de faire donc une très très belle performance sur cette journée, ce championnat des As. Donc déjà on va voir un champion des As avec Pablo Thomas, et vraiment un beau champion. Donc, ça a été, il montait fanfreluche aujourd'hui, mais vraiment ça a été exceptionnel.
En cette fin de journée, le défilé des régions soulève l'enthousiasme des cavaliers de tout l'Hexagone. Sous leurs fanions, dans les rues de Juliange, retentissent les chants de toutes les équipes. Cette ambiance propice et encourageante augure de nouvelles actions pour l'association Endurance Équestre Rhône-Alpes Auvergne, afin d'optimiser le rayonnement du raid des pèlerins et du site de Juliange. Donc on a décidé d'organiser ici, de mettre en place un site permanent d'endurance équestre. Alors en quoi ça consiste? Un site permanent, c'est d'avoir sur l'ensemble des pistes un balisage permanent. Pour faire quoi? Eh bien pour que des gens viennent s'entraîner quand ils le veulent, comme ils le veulent, sur ce balisage qui lui sera permanent. Voilà l'idée. Alors c'est pas seulement ça l'idée, les gens s'entraînent bien sûr, mais c'est de faire des choses ici sur ce magnifique plateau, c'est d'amener des gens, c'est de faire du développement bien sûr, de l'endurance, de l'activité, mais que toute la région bénéficie de ce développement et qu'on rentre dans un développement, véritablement un développement économique. Nous espérons avoir un bel avenir puisque la FPI vient de nous confier deux championnats importants, puisqu'en 2025 on aura les championnats du monde des chevaux de 8 ans, et en 2026, nous aurons les championnats d'Europe des jeunes cavaliers. Donc on espère que tout se passe bien et puis on espère un jour peut-être avoir les championnats du monde open et master, ce qui veut dire que ce serait le but absolu atteint par notre association.